Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 19. Donc j'en ai déjà fait une la semaine dernière. J'avais dit que cette année, les gars, je vais vous présenter pas mal de vidéos sur FIFA. Parce que la base de ma chaîne, elle a été créée sur ce jeu FIFA, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur la charpente. Donc déjà, la semaine dernière, j'en ai déjà proposé une. C'était sur l'appli web. Donc une semaine plus tard, il y a enfin le jeu qui est sorti. Donc moi, comme d'habitude, j'achète toutes les années. Et comme d'habitude, moi, je mets toujours 0 euros dans le jeu. Voilà, peut-être qu'il y en a qui préfèrent mettre. Leur carte bleue, moi, c'est pas mon principe. Je sais juste qu'avec la charpente, on peut gagner beaucoup de crédits. Et regardez déjà les crédits que j'ai en ce début de FIFA, ce qui est pas mal, quand même plus de 134 000 crédits. Et regardez le nombre de joueurs que j'ai vendus, 72 aujourd'hui. Donc, je vais montrer ma technique et la liste des joueurs qu'il faut que vous preniez, que vous fassiez, bien sûr, la même technique que moi. Donc, déjà, c'est une technique, bien sûr, connue, c'est la tech millionnaire. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qui la connaissent, cette technique-là. Donc, c'est pas moi qui l'a créée. Il suffit juste de suivre le procédé de la technique. Donc déjà, je vais vous montrer tous les joueurs bien sûr que j'ai vendus. Regardez, j'ai pas arrêté de vendre aujourd'hui. J'ai pas arrêté, c'est abusé. Après, on est en début de FIFA, c'est pour ça que ça se vend très bien parce que les gens en fait, ils viennent d'acheter le jeu, ils n'ont toujours pas d'équipe et c'est pour ça que les joueurs pas trop chers, ils partent vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des crédits. Donc tous ces joueurs-là, les gars, c'est vraiment des mines d'or. Donc je vous conseille, les gars, de soit vous prenez en capture d'écran, soit vous notez sur une feuille. Et c'est pour ceux qui ont les crédits, parce que tous mes joueurs, il n'y en a aucun qui dépasse 2000 crédits. Donc c'est surtout des joueurs qui coûtent vers les 1000 crédits. Parce que vaut mieux mettre 5 joueurs à 1000 crédits qu'un seul joueur à 5000 crédits dans sa pile. Bien sûr, il faut essayer de remplir sa pile au max. Donc moi, j'ai la pile à 100 joueurs. Vous avez vu combien j'ai fait de vente, c'est quand même énorme. Donc 72, on va juste relister mes cartes, 72 cartes quand même qui sont parties en 5-6 relances aujourd'hui. Bon après ça marche très bien, j'ai dit à force, ça va commencer à descendre. Donc moi vraiment, maintenant que j'ai une belle base de crédit, je vais commencer, je vais tout racheter mes cartes, je vais pas tout faire ça en vidéo, je vais vous montrer la technique. Mais après je pourrais enfin changer de technique parce que après je vais passer à la tech avion et là on va commencer vraiment à engranger beaucoup de crédits. Donc je vais vous montrer déjà la technique tout simple. Donc déjà on va aller effacer un joueur, en racheter un. Donc moi je vous conseille vraiment tous mes joueurs. Donc déjà c'est que des joueurs que j'ai pris dans les 5 gros championnats, c'est les joueurs qui sont souvent utilisés et c'est des cartes qui ne coûtent pas plus de 2000 crédits. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment très bon. Bien sûr, tout le monde peut les acheter. On va commencer avec Strootman. Hop, je l'efface et on va aller l'acheter. Je vais vous montrer la technique. Il n'y a rien de compliqué. Même le gars qui ne comprend rien à l'achat, il va comprendre ce qu'il faut faire. Donc bien sûr, vous notez le joueur. Donc Strootman, hop. Hop, donc là, lui, il doit coûter vers les 1000. Regardez, il en a 750. Donc là, en fait, tout simplement, vous voyez, il y a des contrats. C'est marqué 7. Forme 99, il faut toujours prendre ça minimum, il faut toujours qu'il y ait 99 de forme et minimum 7 contrats. Et vous prenez la carte qui est la moins chère, donc là on va regarder. Donc moi vu que j'ai beaucoup de cartes à racheter, je vais pas me casser la tête, donc là on va juste descendre. On va juste descendre à 1100 pour voir s'il y en a. Donc, en dessous de 1100 cartes, il n'y a aucun Strootman. Donc on va le prendre. 1002, il n'y en a aucun. 1300, donc là il y en a un. On va essayer de le prendre, celui-là s'il n'est pas parti. Non, il est parti, donc on va re-augmenter de 200. Après, vous pouvez bien sûr faire, vous pouvez essayer de faire la tech 59, ça s'appelle, essayer de l'avoir moins cher. Mais bon, moi, je me casse pas la tête, si je fais tout ça avec tous les joueurs, j'ai plus de 70 joueurs à racheter, c'est pour ça qu'il faut quand même que ça aille vite. Donc là, 1500, donc là, on va essayer de prendre sur, est-ce qu'il est pris. Donc là, on vient de l'avoir. Donc tout simplement, vous prenez le joueur. Donc là, on arrive tout simplement. Et dès que c'est là, on appuie sur carré, listé, on le liste direct. Il n'y a même pas besoin de lui rajouter de la forme. Vu que je vous ai dit qu'il fallait prendre des cartes minimum 99 de forme et 7 contrats. Donc on a bien vu, il a une très belle carte. Donc là, 1004 et on rajoute tout simplement 700 crédits. Donc ça fait 2100. Hop, on va faire comme ça. On met 2100, tout simplement. Et on reliste le joueur. Vous avez vu, c'est vraiment compliqué. Vous achetez la carte et vous la remettez 700 plus cher. Et rien que ça, j'ai vendu plus de 70 cartes. C'est quand même un truc de malade. On s'est fait max de bénéf. Donc je vais vous montrer encore deux exemples. Puis après, je vais vous montrer vraiment toute la liste. Des joueurs vraiment qui marchent super bien. Parce que vous avez vu, j'ai vendu quasiment toute ma liste. Donc c'est-à-dire que les joueurs marchent très bien. Alors, on va aller prendre un deuxième. Donc là, on en a acheté un. On va prendre un deal Rami. Vous avez vu, je l'ai vendu 2200. Donc hop, on l'efface et on va aller regarder. On va aller regarder combien il coûte. Alors, Adil Amami, c'est vrai qu'aujourd'hui ça marche super bien. J'ai rarement vendu autant. Mais bon, pour ça, j'ai voulu vous proposer. La semaine dernière, j'avais dit que j'allais vous mettre quelques vidéos d'achat-vente au début. Donc là, il y en a 1700. Hop, on va voir si on peut le prendre ou pas. Regardez, en plus, je l'ai pris. Et donc déjà, c'est le moins cher du marché, 1700. Et je sais pas si vous avez remarqué, il a 19 contrats au lieu de 7. C'est-à-dire que quelqu'un a mis une carte contrat en plus. Donc là, c'est tout bénef. Donc c'est encore mieux. Donc lui, au lieu de le mettre 700 plus cher, on va essayer de gratter.
Voilà, on va essayer de le mettre 900 plus cher. C'est très bien pour Adil Rami. Hop. Donc 900 plus cher, on va faire 2500-2600. Mais si vous auriez pris la carte de base, un 7 contrat 99 de forme, les cartes qui viennent juste d'être paquées, vous mettez juste 700 de plus, vous allez voir, hein, force de résister. Parce que moi aussi, j'ai oublié de vous préciser, je laisse tout le temps avec mon téléphone sur l'appli, c'est pour ça que voilà, je peux blister souvent et que les joueurs, bien sûr, partent beaucoup. Donc là, on le liste à 2600. Donc vous avez vu, hein, quand il sera parti, j'ai gagné quasi 1000 crédits. Hein, donc ça va vite, hein, tu fais ça avec 70 joueurs fois... Parfois 1000, ben voilà, tu gagnes plus de 70 000 crédits dans la journée. Donc c'est pour ça que pour vous dire que c'est vraiment rentable en début de FIFA, c'est la meilleure technique, hein, pour vraiment monter en crédit. Alors on va faire un dernier et après je vous montre, hein, toutes les listes. Hop, alors on va les prendre, je sais pas, on peut les prendre qui? Tiens, on va les prendre Javier Pastore, hein, voilà, 2200, on l'a vendu, vous avez vu, hein, c'est que des joueurs quand même, voilà, qui jouent dans les gros championnats et dans les clubs, on va dire, potables. Hein, lui joue à l'AS Roma, lui joue à Chelsea, l'AS Roma. Lui joue à, je sais plus, je pense au Feyenoord, hein, voilà, si je ne me trompe pas, lui joue à la Juve. Donc c'est, voilà, c'est vraiment des joueurs que beaucoup de personnes utilisent, hein, c'est pour ça qu'ils, voilà, partent très bien. Donc on est face Pastore, on va aller l'acheter. Troisième coup pour vous montrer un dernier exemple. Hein. Donc vous mettrez en commentaire les gars si vous n'avez pas compris la technique, mais voilà, si vous ne comprenez pas, c'est que, ben, c'est que vous abusez, parce que voilà, c'est vraiment simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué dans cette technique, tout le monde peut la faire. Et grâce à ça, tu n'es pas obligé de mettre de l'argent pour avoir une très belle équipe. Hein. Vous allez voir d'ici, je ne sais pas, peut-être un mois. Allez, un mois, j'aurai Ronaldo et Messi dans mon équipe, comme toutes les années, bien sûr, précédentes. Donc lui, on a vendu 2200, s'en fout de combien on a vendu. On va juste regarder à 1600, est-ce qu'il y en a des Pastore? Vous avez vu, là, il y en a plein. Donc quand il y en a plein comme ça, c'est dire que là, on est encore trop dans le prix et qu'on peut encore descendre. On va le mettre 1500. 1500, il y en a encore pas mal, donc on peut encore descendre. Vous avez vu, on a vendu 2200, hein, quand même, Pastore à 1400, il y en a. Donc là, soit on prend celui-là direct, ou comme vous voulez, vous pouvez appuyer carré rond, voilà, sur la dernière carte. Regardez, il y en a 950, là. À 950. Bon, après, il y a beaucoup de monde sur la console, donc c'est compliqué à les avoir. Et hop, regardez tout ce qui sort. Bon, après, vu que là, il y a des packs en même temps, c'est pour ça que c'est compliqué à les choper. Hop, bon, on va prendre un de base indirectement, hop, on va monter à 1500. Voilà, 1500, moi ça me suffit, hein. Moi 7 contrats 99, vous pouvez regarder, hein. Voilà, vous pouvez avancer comme ça, peut-être des fois il y en a qui ont des styles, à la place du crampon en bas, c'est un style, c'est toujours mieux de prendre avec un style en plus, donc on va prendre une carte de base, hein. On va pas se casser la tête, allez, 7 contrats 99, et tout simplement, on va le remettre 700 plus cher, hein. Pastore comme tous les autres, donc là on appuie sur carré, hein. Donc moi je suis sur PS4, et là 700 plus cher, donc on fait, ça fait 2002, hop. 2100, 2002, le prix qu'on l'a vendu. Vous avez vu, bien sûr, là, dans une ou deux relances, il est reparti. Hein. Javier Pastore. Donc voilà, vous avez compris la méthode. Hein. Donc c'est la tech millionnaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et maintenant, je vais vous montrer vraiment, voilà, ça est important maintenant, c'est la liste des joueurs vraiment qui marche du tonnerre. Hein. Pour moi, c'est la liste que j'ai fait. Oh, et je trouve qu'elle marche très bien. Après, chacun son avis. Hein, bon, quand tu vends plus de 80 cartes, hein, quand même, dans la journée, c'est que ça marche. Hein. Donc on va aller regarder tout ça. Hop. Alors, regardez la liste, hein. Moi je vous conseille de noter soit avec un papier ou soit de prendre un screenshot, hein, et vous prenez les mêmes joueurs que moi, et je vous ai dit, il n'y a aucun joueur qui dépasse plus de 2000 crédits, donc c'est surtout des joueurs, hein, qui coûtent vers les 1000 crédits, donc voilà, ça ne coûte pas cher, donc le but, hein, c'est de remplir au max sa pile. Donc voilà, il y a du Kramari, Kenzonzi, donc je ne vais pas tous les citer, hein, parce qu'il y a au moins plus de 100 joueurs. Qui se vend. Regardez, même Morales qui n'est pas du tout connu, mais vu qu'il a 87 de vitesse, il joue en Liga à Retafe, je crois, ou les montées, je ne me souviens pas. Mais voilà, il marche et bien sûr, il a été vendu. Donc on a du volant, la deuxième liste, hein, vous pouvez voir la deuxième page plutôt. Cristantello, hein, qui marche super bien, Cristantello, je crois que je l'ai vendu en une journée, là, parce que j'ai déjà racheté mes cartes ce matin, j'ai dû le vendre au moins 3 fois dans la journée. C'est un truc de dingue, hein. Je le rachète, il part direct. Il y a du Milik aussi. Hop, donc là, je vais doucement, hein, pour le garder. Donc là, vous avez vu, hein, c'est tout ça avec des crampons, il n'y a aucun avec des styles. Voilà, parce que moi, je prends vraiment les cartes, on va dire, les moins chères. Hop. Donc, on va remettre le nom des joueurs, ça sera beaucoup mieux. Hop, on va aller un peu plus vite, hein, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Vous avez juste à mettre start, là, à noter, bien sûr, sur un papier. Pulisic aussi qui marche bien. Pulisic, j'en ai vendu pas mal. Regardez, Yeremina. Si je l'ai vendu 1600, c'est-à-dire qu'il ne coûte que 900 crédits, alors qu'il joue à Everton en première ligue. Il est super utilisé. Regardez, surtout aussi des joueurs rapides, hein, que j'ai pris, du Lukaku à Montero, Alberto Moreno, le joueur de Liverpool, 86 de vitesse, pour ça qu'ils sont beaucoup utilisés en début de FIFA. Campos, un joueur marseillais, il marche bien, même Palois, les gars, même le défenseur de Nantes, là j'ai réussi à le vendre, hein, c'est un truc de dingue. L'avance, regardez, bon, il y a des joueurs qui sont pas trop connus, hein, Ruben Sobrino, moi je ne vais pas vous cacher, hein, je le connais pas, lui je le connais pas.
Caputo, je le connais pas, mais bon, du moment qu'on arrive à faire gagner des crédits grâce à lui, ben c'est très bien. Donc voilà tous les joueurs hein, que j'ai réussi à vendre aujourd'hui. Puis là, vous pouvez prendre les joueurs que j'ai pas réussi à vendre, mais bon, c'est pas que j'ai pas réussi à les vendre, que vous arrivez pas à les vendre. Hein. Ils marchent bien sûr autant que les autres, mais ils ont pas été bien sûr vendus. Donc là, on a tout ça. On a même du Choupo-Moting, hein, l'attaquant du PSG qui coûte pas cher. Hein. Regardez, j'ai acheté 750 crédits, puis je l'ai remis à 1800 parce que je l'ai chopé avec un style. Hop, vous pouvez prendre là, tous ces joueurs-là. Et là, je crois que c'est la dernière pile. Voilà, ben, ça, c'est les joueurs que j'ai rachetés. Soumé, Pastore, Rami et Strootman à partir d'Ismail Assar avec 93 de vitesse. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il marche très bien en arrière. Donc, tous les joueurs que je vous ai montrés, vous les achetez tous et vous les mettez 700 plus cher. Et vous listez tout le temps avec votre téléphone. Je ne sais pas si vous listez, j'en sais rien, 6-7 fois dans la journée. Vous allez voir, vous allez faire au moins plus de 50 ventes et vous allez gagner énormément de crédits. Vous allez pouvoir monter à plus de 80 000 crédits par jour et vous allez pouvoir vous acheter vos équipes de rêve. Donc voilà, les gars, cette petite vidéo hein, à Charente. J'espère que ça vous a plu. Un petit like hein, si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos à Charente. Bientôt, je ferai des SBC, tout ça pour vous montrer les astuces. Donc voilà, donc nous on se retrouve cet après-midi hein, parce qu'il y a une vidéo qui sort. Ciao à tous! Avec tes mensonges, Hugo, son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.